rassemble des militaires et des journalistes regagne les abris aménagés il y a quelques jours. Et personne ne voit bouger, mais un certain désordre règne. La chaleur monte rapidement, le port des masques devient obligatoire, nous ne pouvons plus filmer. Nous sommes serrés les uns contre les autres. La bombe a perforé un abri antiaérien, renversé un mur et brisé les vitrines des maisons tout autour. Vous le voyez, ce sont les seules images envoyées par les équipes de télévision. Les deux autres cibles n'ont pas pu être filmées. La censure israélienne l'interdit pour ne pas permettre à l'Irak de rectifier le tir. Au total, on déplore 17 blessés légers, mais pas de morts. Pierre, c'est vrai qu'il y avait un mot de lâcher? Ah bon, alors ça va. Tu vas te tirer, non? Vous avez pensé avoir une machine à faire la vaisselle? Ah, j'en veux pas! J'en veux pas! Oh là là, ça fait trop de bruit, ça! Puis ça casse la vaisselle! Il faut la retenir, il paraît qu'il faut la retenir presque autant que si on la faisait comme ça. J'ai plus trop fait. Chut! Descends! Sport, 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 oui, mais ça, ça m'intéresse pas. Faut bien pas qu'on arrive là-dessus. À Tel Aviv, des boules de feu tombaient du ciel. M'irai pas. Mais il y a 8 pages en plus aujourd'hui pour la guerre. 3 braqueurs trahis là par un trafic de drogue. Ah ben ça on en voit aussi. On ne voit pas chez vous. Ouais. Oh là 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 là. Vous en pensez? Ils sont pas assez punis. C'est comme celui qui tue, on devrait le tuer. On en parlerait plus. À tout ce que je dis moi. Maintenant on tue une personne comme on tue un lapin. Voilà. Ce sont ces appareils, ces Jaguars de la force aérienne tactique qui ont participé ce matin au raid sur le Koweït. 12 Jaguars ont décollé très tôt de leur base saoudienne d'Alassa vers Oufouf. Ils ont mis casque plein nord. Bon, il y a de la soupe. Oh ben, j'en veux plus, moi. T'en veux plus? Ouais, il faut une fois, hein. Paul et Suzanne, voilà. Cellier, la famille Cellier. Le 30 septembre 30. Il y a le jeune entendre, mais je me rappelle quand même. Ouais. Mais c'est mon patron. C'était la moule du pays, déjà, mais mon mari n'a rien du tout, nous. Parce qu'ils sont les mulets. Mmh. On les voit, celle-là. Les blancs, bah oui. Charlot. Charlot. Frédéric. La comtesse. Et comtesse. Oui, c'était comtesse. Ouais. Robert et Michel. C'était vos deux aînés? Ah oui, c'était les deux aînés, celui-là. C'est celui-là qui a été tué par la poudre, là. Il avait 37 ans, lui. Mais alors, il a tonné, éclairé, je... Oh là, il faisait une orange. Oh là 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 là. Eh, quand il y avait un quart d'heure qu'il était parti avec les branches. Ah oui. Il n'avait pas d'abri, il a voulu aller se mettre à la brise ou un arbre. Il aurait eu un abri, ça aurait peut-être pas arrivé. Il n'est plus temps. Très bien. C'est pas bien, ça. Alors. Ah, au moins, ça, c'est de la musique. Voilà. Mais quand ils dansent comme ça, ils sont tous déhanchés. Oh là 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 là. C'est celui qui prend les pelés de grimaces.
Okay. C'est honteux. Mais t'as pas peur. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Voilà, voilà. C'est Jean-Pierre. Bonjour mademoiselle, c'est là le meilleur vœu. Oui. Allez, à vous aussi. Eh bien, oui, on va s'embrasser. Bien sûr, enfin, c'était pas mort. Eh bien, oui, tiens, c'est bien. Pourquoi? Démerde-toi. Prends la casserole là-bas. Hein? Le son? Oh, j'ai l'air pas. Viens chercher son seau, Pierre. Écarte-toi. T'as pas comme ça, ta mère. Mets ton genou dessus. Ah, mais j'aimais bien. Oh, j'aimais bien aller au champ, j'aimais bien traire mes vaches. Tout ça, ça me plaisait. J'étais pas malheureuse. Hein. Je faisais mon boulot, on allait au champ, on faisait le bazar là. On dit que pour moi, si j'avais eu su, après un fonctionnaire, moi je serais plus tranquille. Puis j'aurais une plus grosse retraite aujourd'hui. Parce que l'agriculture, elle ne donne pas une grosse retraite. Hein. On l'a tous les trois mois. Mais voilà, moi, je prends le temps comme il vient maintenant. Jean-Paul II écrit au président Bush, nous ne pouvons pas avoir que l'envoi des armes. Doucement, hein, c'est vers là, parce que assez, te mettra deux fois. Bon, assez. Bon, ce qui arrive, ces gens-là avec leur religion, hein. C'est autrement que la Pâque. La Pâque contre terre. Que ça représente, ça? Ah ben c'est leur religion, hein. C'est... Non mais c'est leur prière, hein. C'est des... C'est comme ça, là. Ah mais l'autre jour, même en pleine journée, c'était l'heure de la prière, ils ont quitté leur bazar là. Ah ben oui, hein, pour y aller, la faire. Hein. C'est le vendredi. Ah bon? Islam, hein. Parce qu'ils disent qu'on meurt, mais on revient. Alors, ils aiment mieux mourir. Hein, que... Ah, mais oui, oui. En France, il y en a trop. Il y en a trop de tous ces gens-là. Elles ramassent tout, la France. Mais si, Georgette, mais tu ne vois donc pas. T'as qu'à aller chez la Renée Sartelé, là-bas, Billancourt, là. Oh, il y en a plein. Oh là là. Il n'y a comme arabes. Oui, mais des arabes. Des quartiers entiers. Oui. Les arabes, bien sûr. Eh bien, c'est ce qu'on dit. C'est la poubelle, la France. Non, on parle des Albanais. Ah ben les Albanais, il n'y en a pas tellement. Mais il y en a quand même. Les Arabes, j'en ai jamais vu, moi. Ah. À part deux ou trois qui passent par là, moi, mais c'est tout. Hein. Mais moi, j'ai vécu avec eux. Ah, mais je me rappelle de 14. Ah, mais ça, ils nous ont fait des tours. Hein. Ils ont vidé l'épicerie de ma mère avec le cheval du boulanger. Oui, mais son chariot. C'était pas des Italiens? Non, c'était en 14. Eh bien, en 14, les Italiens, c'était des vrais voleurs. Non, c'était des Allemands. En 18. Ils ont volé tout ce qu'il y avait sur leur passage. Oui. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Non. Midi. Thank you.
Oh, c'est trop grand, ouais, bébé. Mais non. À l'autre côté, moi. Allez, tiens. Ça, ça mange. Ça mange. Ah, ah, elle est bonne, là. Elle en fait 10 mètres, là. Ah. Oui, il est bon, on en mange rien. Ah, il est bon, hein? Oui. Monsieur le curé sera bien content. Oui, ah, j'aime bien aussi lui. Ah, je le sais. Ah, bon, là, nous allons passer à l'enfilade. Si un jour je tombe dans un gros lot, ce sera des voyages, tiens. Ah, voyons. Ça te rapporte bien, ça, hein. Mon plus grand voyage. Qui d'où ce que j'ai été? À Épernay, parce que pendant la guerre 14, on les a comptés, c'est tout. C'était loin? Épernay? On a 80 km d'ici. Oh oui. Même plus. Oh, même plus, parce qu'il y en a 80. Il y en a 80 poils à Reims. Ah, bah, c'est pas sûrement à Reims, c'est dans l'autre. Dans l'autre oh, c'est plus au sud. Oui. 35 minutes après, il franchissait la frontière koweïtienne et piquait à plus de 1000 km/h sur l'aéroport Emir Jaber de Koweït City. Ça fait du bien qu'après ça mort, ce bête-là, alors il faut pas les pleurer. Non, ça va pas aller, ça. Allez hop, mets pas là-haut. C'est ça qu'on dit. Allez hop. Elle s'est rassoupée. La guerre. Contrairement aux prédictions enthousiastes, risque de s'avérer longue et dévoreuse de vie. Pourtant, les hommes de Caracas, comme tous les soldats... D'abord, c'est l'Irak, c'est la Jordanie, tout le monde les pêle-mêle là-dedans, je ne les reconnais plus. C'est une drôle de guerre.